Sonnerie pour espérer. Le d'hier des Jacobins. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier. Nous sommes le 27 mars, quatrième vendredi de carême de l'an 2020 après le Christ. Avez-vous remarqué, mes chers frères, combien de changements sont en cours dans notre société ? Un bâton a été planté dans notre fourmilière, tout occupée d'elle-même, et après quelques bredouillements et cafouillages, le branle-bas de combat s'est propagé dans tout l'entrepont, de hamac en hamac, provoquant une frénésie d'activité en tous sens. On installe des hôpitaux de campagne, on affrète des trains de malades, on change le code du travail, on commande des masques et des respirateurs, on annonce des nationalisations et des grands emprunts, on organise des services à la personne à une échelle nationale, on monte des essais pharmaceutiques en urgence, on aménage les équipes de production ou de distribution, on installe des enseignements à distance. Bref, nous sommes passés en quelques jours de l'incrédulité à la stupeur et de la stupeur à l'agitation. Contre le mal, on se mobilise et cela se voit. Mais qu'en est-il d'une autre mobilisation ? Invisible celle-là, la mobilisation des cœurs. Nous sommes, à n'en pas douter, très efficaces pour la mobilisation des corps et des choses. C'est même devenu une spécialité. Nous débordons d'experts en la matière, nous ne comptons plus les acteurs qui agissent sur les corps et sur les choses. Et il y a à cela une explication facile. Les corps et les choses obéissent à des lois déterministes. Il suffit de bien maîtriser ces lois pour les déplacer où l'on veut qu'ils soient, pour les modifier comme on veut qu'ils deviennent, pour s'en servir de la façon qui nous convient. Mais pour les cœurs humains, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus compliqué parce qu'on a affaire à la liberté humaine. Elle ne se plie que modérément au déterminisme qu'on lui impose. Mais la mobilisation des cœurs est aussi plus simple parce que l'homme est sensible au bien et répugne au mal. Les élans de générosité qui fleurissent un peu partout en ce moment dans l'opposition à la maladie montrent la puissance de l'acte spirituel lorsqu'il a compris où se porter, dans quelle direction aller. Une question se pose alors. L'aiguillon de la lutte contre le virus nous mobilisera-t-il jusqu'à nous faire retrouver le sens du mal qui nous détruit, c'est-à-dire le sens du péché. L'aiguillon de la lutte contre le virus nous mobilisera-t-il jusqu'à nous faire retrouver le sens du bien pour lequel nous sommes faits, c'est-à-dire Dieu lui-même. La réponse à ces deux questions se fera d'abord dans les cœurs de chacun. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder ce point du point de vue d'un prophète qui nous raconte son expérience d'un changement, d'un renouveau de son espérance au travers de l'épreuve et qui, avec des expressions inimitables, a su traduire le mouvement, la mobilisation intérieure qu'il a vécue. Frère Renaud. Du livre de Jérémie au chapitre 31e. Versets 15 et suivants. Ainsi parle le Seigneur. Une voix dans Ramma s'est fait entendre. Des pleurs amers. Rachel pleure sur ses fils, rejetant le réconfort. Sur ses fils, car ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Loin de toi ta voix pleine de sanglots et les larmes qui coulent de tes yeux. Car il y a un salaire pour ton travail, oracle du Seigneur. Ils reviennent du pays de l'ennemi, car il y a une espérance à ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviennent dans leurs frontières. J'entends distinctement Éphraïm qui se lamente.
Tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. Comme un taurillon rétif, convertis-moi et je me convertirai. Car toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Converti, je me repens. Instruit de moi-même, je me frappe la poitrine. Honteux, déshonoré, je porte le poids des scandales de ma jeunesse. Éphraïm n'est-il pas pour moi précieux, un enfant en qui je trouve mes délices? Quand j'en parle, encore et encore, je fais mémoire de lui. C'est pourquoi mon sein frémit pour lui. Mes entrailles frémissent doublement pour lui, oracle du Seigneur. Alors, Jérémie ici nous conte la mobilisation de son cœur. Et surtout, ce qui est tout à fait étonnant, comment cette mobilisation s'est produite dans un dialogue entre Dieu et lui, entre Dieu et son cœur. Alors, cet oracle appartient à une partie du livre de Jérémie, qu'on appelle le livre de la consolation, parce que il contient en fait des oracles de relèvement, de restauration, pour Jérusalem et pour le peuple, ici qu'il appelle Éphraïm, qui est le nom d'une des tribus d'Israël. Et ce qui est très frappant dans cet épisode, peut-être quelque chose qui peut nous guider aujourd'hui, c'est, j'oserais dire, le droit que Jérémie a acquis d'avoir une espérance. Un droit, et là je parle au sens presque juridique du terme, une chose due, puisque Jérémie, comme le laisse entendre en français l'expression de Jérémiade, multiplie des oracles qui sont plutôt sombres et de douleurs déchirantes et terribles. C'est ceux qu'il a prononcés du temps où il espérait que le peuple se convertirait et que la catastrophe qu'il entrevoyait, conséquence en fait des trahisons de l'alliance de Dieu, c'est aussi longtemps qu'il a cru, d'une certaine manière, que cette phase d'épreuve extrême pourrait être épargnée à Israël. En fait, c'est les peines de l'exil. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque la catastrophe est survenue, avec le roi déposé dans des conditions épouvantables, une partie importante de la population déportée, le chaos en fait qui sème, qui s'installe en Juda, c'est à ce moment-là que Jérémie a commencé à prononcer des oracles de restauration et de consolation. Alors, c'est vrai que l'Évangile nous dit qu'il faut être prêt à parler à temps et à contre-temps. Et c'est vrai que Jérémie a parlé plutôt à contre-temps, en général. Et c'était, du coup, du temps où les gens se disaient « ça va aller mieux, tout va bien se passer, nous allons trouver quelque alliance diplomatique qui va nous permettre d'échapper aux périls qui nous guettent », eh bien, pendant ce temps-là, Jérémie leur a dit « vous vous faites des illusions jusqu'au bout ». Mais au moment où la catastrophe s'est produite, il n'est pas allé voir ses concitoyens, enfin ceux qui l'en restaient en tout cas, en leur disant « je vous l'avais bien dit ». Il n'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Au contraire, c'est le moment où il a commencé à prophétiser ses oracles de restauration sublimes, en particulier comme celui que l'on vient de lire. D'une certaine manière, je dirais que Jérémie a acquis le droit de prononcer ses oracles de relèvement parce que, d'une certaine manière, les événements avaient prouvé qu'il avait raison et qu'il parlait de la part du Seigneur. On a parlé déjà plusieurs fois de cette prise en compte de la mémoire dans la réception des paroles inspirées. C'est-à-dire que, au fond, les cœurs ne sont jamais disposés sur le moment à les accepter et à les recevoir en totalité. Eh bien, Jérémie, c'est par excellence avec le Christ, le prophète qui a écrit pour la génération d'après. Et c'est celui qui a pris en compte le fait que sa parole venant de Dieu, eh bien, ne porterait pas ses fruits
tout de suite. Et donc, eh bien, en fait, tout ce temps d'épreuve, c'est aussi le droit qu'il a acquis de prononcer ces oracles de relèvement, dont la certitude est aussi vraie que les avertissements qui l'ont précédé. Et là, d'une certaine manière, nous saisissons presque sur le vif la raison pour laquelle les secrétaires, l'école de Jérémie a conservé et transmis ces oracles, parce que après coup, lorsque la situation s'était calmée, on a vu que cette parole de feu qui venait directement de l'Esprit-Saint devait être un élément de consolation et une pierre sur laquelle s'appuyer pour le relèvement de la nation. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait admirable. Alors, cet oracle commence par un oracle sur Rachel, que l'on connaît, peut-être l'avons-nous dans l'oreille, puisque c'est celui que l'on trouve dans l'évangile de l'enfance de saint Matthieu, au moment du massacre des innocents. Et on reprend exactement cet oracle. Une voix s'est fait entendre dans Rama, longue plainte, Rachel pleure ses fils, car ils ne sont plus, elle rejette le réconfort. Alors, pourquoi, justement, en parlant de l'espérance, commencer par cette belle figure de Rachel ? Bien parce que, justement, Rachel, c'est quelqu'un à qui rien n'a été donné. Rien n'a été donné tout cuit, si j'ose dire. C'est une femme qui a dû batailler pour obtenir son mari, batailler plus longtemps encore pour devenir mère, puisqu'elle était frappée de stérilité. Et quand enfin elle l'est devenue, elle en a demandé un autre fils, et c'est en mettant au monde son deuxième fils qu'elle est morte. Donc, un personnage qui serait tragique s'il n'en était pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de tragique. Hein, mais un personnage, en tout cas, d'une espèce de volonté de faire, qui a dû conquérir, en quelque sorte, tout ce qu'elle a obtenu dans la vie. Et du coup, le prophète, au moment où, justement, les fils d'Israël meurent en masse, sous l'épée des Babyloniens, ou dans les colonnes de déportés qui les emmènent dans des conditions effroyables à Babylone, eh bien, il y a cette femme debout et qui pleure sur ses fils, rejetant le réconfort. Donc, avec une posture qui est tout à fait celle de Notre-Dame, au pied de la croix, Stabat Mater Dolorosa. Elle est debout près de la croix. Elle rejette le réconfort. Alors, pour quelle raison ? Parce qu'il est hors de saison, peut-être. Ce n'est pas le moment. Mais il y a une raison, à mon avis, plus profonde encore. C'est qu'elle rejette le réconfort parce que personne n'a le droit de se substituer à sa douleur. Personne ne peut, dans les circonstances qui la concernent, elle, puisque c'est la perte de ses enfants, lui voler sa dignité de mère et de femme debout. C'est quelque chose qui est vraiment très semblable, je pense, à l'attitude de Notre-Dame au pied de la croix. Et pourquoi aussi la séquence traditionnelle la décrit comme étant debout. Parce que justement, elle reste debout et il n'y a personne pour la soutenir. C'est qu'elle reste debout parce qu'il y a en elle une force qui la fait tenir debout, envers et contre tout. Ce qui est par excellence la figure de l'espérance, comme dira l'Épître aux Hébreux, espérant contre toute espérance. Et là, donc, cette image d'une ligne, en fait, hein, cet oracle d'une ligne là, sur lequel Jérémie nous laisse au moment des épreuves, sur Rachel debout, rejetant le réconfort, bah parce qu'elle a, oui, elle a déjà son réconfort en elle-même aussi. Et donc, c'est pas les autres qui vont le lui donner. Et là, il y a une espèce de solidité, de granit, de roc, qui est vraiment, qui en fait, je trouve, une vivante image de l'espérance envers et contre tout. Du reste, je t'interromps juste un instant, mais ça me frappe en ce moment, face aux mauvaises nouvelles et de l'épidémie, des difficultés économiques,
des troubles qui risquent de se propager dans la société dans les semaines qui viennent, j'ai entendu à plusieurs reprises des personnes qui essayent de compenser, c'est-à-dire que face à ce danger ou ce risque, on essaye de donner des compensations, donc on fait valoir les aspects positifs, il faut pas trop dramatiser, on essaye justement d'atténuer les craintes pour ne pas, et ça se comprend, hein, c'est pour ne pas tomber, pour ne pas s'effondrer. Mais ce que tu dis, en fait, est tout à fait reflète quelque chose d'important, qui est quand on a une espérance qui est fondée en Dieu, en réalité, on n'a pas besoin d'être dans l'optimisme ou le pessimisme. On voit les choses telles qu'elles sont, et en réalité, on sait pourquoi on se bat et dans quelle direction on veut aller. Hein. Donc ici, il y a cette force de l'espérance qui, effectivement, se déploie à la fois dans le malheur, mais aussi aujourd'hui au sein des dangers, au sein des vicissitudes. Excuse-moi, oui. Faut-il continuer Oui, bien sûr, c'est une très bonne remarque. Hein. Et je crois vraiment, c'est tout à fait ça. Il y a une sorte d'image là, grandiose que donc l'évangéliste a jugé bon de reprendre et qui exprime tout à fait ce que tu dis. En effet, cette espérance qui vient de l'intérieur et qui n'est pas reçue, en effet, simplement d'une sorte de confort psychologique. Et c'est pas un hasard si c'est Rachel qui choisit, justement parce que c'est cette femme qui a dû tout conquérir. Avec Dieu, bien sûr, mais après, dans la vie a été une suite de combats qu'elle a menés avec le Seigneur. L'oracle de Jérémie continue donc avec c'est le Seigneur qui la console, hein. Loin de toi la voix pleine de sanglots et les larmes qui coulent de tes yeux, car il y a un salaire pour ton travail. Alors, une chose qu'il faut remarquer, c'est en effet cette formule tout à fait étrange, il y a un salaire pour ton travail. Qui rappelle d'ailleurs ce qu'on a aussi dans le livre de la consolation d'Isaïe, le parler au cœur de Jérusalem, proclamer à son cœur que son service est rempli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur deux fois le prix de ses fautes, ou double punition pour ses péchés, comme on traduit aussi parfois. Donc il y a un salaire pour ton travail, c'est-à-dire que elle a mérité. Hein, et le Seigneur ne peut pas ne pas tenir compte du labeur qu'elle a effectué. Ça, c'est un élément qui est très important dans la théologie du Deutéronome par rapport à laquelle Jérémie se situe. C'est-à-dire que le Dieu qui n'est pas injuste, même Dieu qui est suprême justice, ne peut pas laisser le labeur des saints sans récompense. Parce que, en fait, c'est Dieu, justement, c'est la logique de l'Alliance. Dieu s'est engagé par rapport à eux à bénir leurs efforts. Et ici, donc, cette formule est tout à fait importante. Hein, un salaire, on a parlé tantôt de l'argent, des dettes, des choses comme ça. Et c'est ce qui est en jeu derrière ces images, c'est bien le réalisme de la rétribution que le Seigneur prépare. Et du coup, voilà, devant les personnes qui souffrent et qui ne se laissent pas abattre, qui luttent, qui travaillent, le Seigneur ne peut pas passer à côté de leurs efforts. Ça, c'est un élément important et qui est aussi une des sources de l'espérance, bien sûr. Du reste, l'espérance est annoncée juste après. Juste après, voilà. Ils reviennent du pays de l'ennemi, donc annonce du retour de l'exil. Il y a une espérance à ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviennent dans leurs frontières. Donc ici, il y a une espérance à ton avenir. En fait, c'est moins l'acte d'espérer dont on a vu qu'il habite Rachel. On a vu qu'il était là depuis le début, cet acte d'espérer. C'est plutôt ce que tu espères qui a un avenir. Hein, donc l'objet que tu espérais
ce que tu avais espéré, c'est cela qui va s'accomplir. Voilà, en effet, l'espérance porte bien sur une réalité concrète, et évidemment, l'espérance, elle a un nom. ici, en l'occurrence, eh bien, c'est le retour de l'exil, que d'ailleurs Jérémie annonce ailleurs, au chapitre 29, pour après une durée de 70 années. Justement, le temps qu'une génération passe, que d'une certaine manière, le poids des fautes retombe et que la miséricorde de Dieu se dispense. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est vraiment, dans cet oracle sublime, des traits qui sont tout à fait ceux de Jérémie, les formules réciproques, qui appartiennent là vraiment au style le plus personnel du prophète. C'est un élément sans doute d'authentification, d'ailleurs ici. On en a trois. « Tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. Convertis-moi et je me convertirai. Converti, je me repens. » Alors ici, ce que nous avons, qui est tout à fait complémentaire de ce qu'on vient de dire sur le salaire et le travail, ou le travail qui mérite salaire, c'est bien la priorité de la grâce. C'est-à-dire que, là, ici, c'est Éphraïm qui parle, et qui demande à Dieu de le convertir. C'est Dieu qui a l'initiative de le convertir. Mais, convertis-moi et je me convertirai. Tu m'apprivoises, c'est toi qui as l'initiative, et je me laisse apprivoiser. C'est-à-dire que Dieu agit d'une manière telle que quand il opère un effet dans ses créatures, dans les saints, en tout cas, en l'occurrence, c'est les créatures douées de liberté, comme sont les hommes, il agit de manière telle que l'effet soit aussi la cause de la liberté de ceux dans lesquels il agit. De sorte que l'effet qui s'ensuit soit libre, et donc volontaire, et donc méritoire. Donc, c'est pour ça, c'est la grande importance de ces formules réciproques chez Jérémie. Convertis-moi, oui, ça vient du Seigneur, et je me convertirai, ça veut dire que la conversion sera bien l'effet de ma liberté et de ma volonté. C'est bien moi qui me convertis. C'est bien moi qui me convertis, hein, mais néanmoins, c'est parce que Dieu me convertit que je me convertis. Exactement. Voilà. C'est parce que Dieu me convertit que je me convertis. Hein, c'est ça. Tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. Alors là, ça dit un peu la même chose, mais au plan peut-être de la discipline des affections. Je pense que c'est ça qui est visé. C'est-à-dire, là, apprivoise, tu me domptes aussi. Est-ce qu'on n'a pas une progression, justement? C'est-à-dire qu'on commence, je dirais, par un taureau un peu rétif, hein, le taurillon rétif qui est un peu fougueux et qui a du mal à accepter, qui regimbe sous l'aiguillon, comme dira Saint Paul. Et puis, il y a une dimension beaucoup plus paisible dans le « convertis-moi, je me convertirai ». Et ensuite vient le repentir, c'est-à-dire que là, il y a une vraie liberté spirituelle à l'égard de sa propre vie, à l'égard d'une vérité qui s'instaure en lui. Hein. Oui. Et de fait, tu as tout à fait raison, c'est la conversion, en effet, le met pleinement en possession de lui-même, et de reconnaissance de ses fautes passées, d'acceptation, du coup, aussi de ce qu'il a été, mais une acceptation qui est commandée par la miséricorde et par la charité, et non pas, qui n'est pas là pour l'accabler et l'écraser sous le poids de ses fautes. C'était, en effet, on voit bien ici que la conversion est le principe de la liberté intérieure par rapport à ses fautes, par rapport au scandale de sa jeunesse, hein, comme il le dit lui-même. En effet, il y a certainement... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet oracle, cette prise de parole d'Éphraïm, se termine sur « instruit de moi-même, je me frappe la poitrine hein, ». C'est presque « me connaissant moi-même ». Là, nous avons presque la maxime delphique « connais-toi toi-même », c'est-à-dire ayant fait la vérité en moi par cette miséricorde de Dieu, ce fruit de la miséricorde en moi qui est une connaissance surnaturelle de moi-même, du coup, qui me relève,
exactement comme le regard que le Seigneur pose sur Pierre après le reniement, ou le regard que le Christ pose sur nous tous depuis la croix, où il voit chacune des âmes pour laquelle il donne sa vie. Eh bien, en fait, là, cette connaissance de soi, elle est suprême dans la miséricorde de Dieu. Donc, en effet, c'est bien la réconciliation entre l'homme et Dieu, de l'homme en lui-même, de l'homme avec ses frères, qui est le fruit de cette connaissance-là. Et juste après, ce qui est très frappant, c'est que Jérémie ajoute la manière dont Dieu envisage se repentir et véritablement avec une comme le fruit d'une miséricorde, d'une tendresse. Voilà. Et là, on ose presque dire que Jérémie avait gardé le meilleur pour la fin. Les auteurs sacrés, ils ont chacun leur stratégie pour dire les vérités. Il y a certains qui... parfois, on commence tout de suite à dire les choses. Parfois, on ménage des effets. Et là, en l'occurrence, il le garde pour la fin. Quelle est la cause de tout ce que l'on vient de voir? Eh bien, c'est « Éphraïm n'est-il pas pour moi précieux, un enfant en qui je trouve mes délices encore et encore, je fais mémoire de lui. Mes entrailles frémissent doublement pour lui. » Oracle du Seigneur, c'est-à-dire que tout ce qui vient de se passer dans le pécheur repenti ou repentant, ben se trouve sa source dans la miséricorde de Dieu, dans le fait que Dieu agrée sa démarche. Là, Jérémie est un prophète qui est très attentif à ça. C'est parmi les prophètes d'Israël un de ceux qui l'est le plus. À savoir que y a les bonnes actions, les efforts que l'on fait pour essayer de se convertir, de s'améliorer, mais toutes ces choses demandent à être agréées par le Seigneur, et l'agrément que Dieu donne relève de sa souveraine liberté à lui. C'est-à-dire que est-ce que Dieu se complaît dans nos œuvres ? Ben, s'il se complaît dans nos œuvres, lorsque nous accomplissons sa loi, justement, c'est parce qu'il nous donne le moyen de faire ce qui lui plaît. Mais dans ce cas-là, nos actions deviennent source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Lorsque Dieu se plaît aux œuvres de quelqu'un, eh bien, cette personne devient une cause de bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Et ça, c'est par excellence le mystère même de la personnalité de Jérémie, qui s'est trouvé dans la situation d'épreuve et de détresse, placé au cœur du peuple, dans cette position de faire la volonté de Dieu envers et contre tout, pour être bénédiction en faveur de ses frères. Alors, on retrouve en fait donc ce que tu dis de la personne de Jérémie. Il fait lui-même l'expérience intérieure. Il prophétise contre le peuple et se fait rejeter pour cela. Il reste fidèle alors qu'il n'a aucune envie et c'est pour son plus grand malheur. Et finalement, ce rôle de prophète le conduit à retrouver dans sa vie la même expérience que le peuple va faire. Oui. Et est-ce qu'on retrouve ici la même chose? C'est-à-dire, il nous présente Rachel qui se tient comme le prophète se tient face à Israël, Rachel qui se tient debout, qui est dans l'espérance, qui pleure, qui va recevoir le salaire de ses peines, et le salaire, ça va être le retour des enfants et leur pénitence. C'est-à-dire, c'est pas seulement le retour, c'est et leur pénitence. De la même façon que pour Jérémie... De la même façon que pour Jérémie, son salaire, ça a été la manière dont le peuple s'est retourné vers le Seigneur et s'est repris. Exactement. Alors, cause de beaucoup de ce qui fait vraiment réfléchir dans le cas de Jérémie, c'est que il ne l'a pas vu de son vivant. C'est-à-dire que il l'a probablement entrevu parce qu'il savait que le Seigneur est juste, mais néanmoins il n'a pas eu la consolation lui de le voir lui-même. Mais néanmoins, je suis persuadé qu'il en était certain, sinon ses oracles même en sont la trace. Mais il ne l'a pas vu. Alors cela nous donne en fait dans Jérémie
une figure tout à fait exceptionnelle, mais aussi dans Rachel, pour aujourd'hui, finalement. On se dit, dans ce temps d'épreuve, notre place n'est-elle pas de tenir dans l'espérance en implorant à Dieu le retour de ses enfants et une certaine épreuve de conversion intérieure pour un peuple qui s'est éloigné de lui et qui a besoin de retrouver sa liberté spirituelle. Oui, et en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on veut suivre l'exemple de Jérémie, c'est que c'est l'intercession pour les pécheurs qui est la voie de la plus grande charité. Voilà. Ça, c'est très clair, c'est-à-dire d'entretenir l'espérance pour ceux qui ne l'ont plus aussi. Notre espérance ne nous appartient pas à nous individuellement. Nous avons l'espérance que nous portons, nous la portons aussi pour ceux qui ne l'ont plus. Et ça, c'est le mystère de la charité. Frère Éric, un contrepoint sur ce texte. Pour le temps des pères de l'Église, malheureusement, c'est un des textes superbes de la Bible que les pères n'ont pas... En tout cas, les traces que nous avons des pères actuellement est très faible, en fait, sur ce verset. La partie du commentaire d'Origène est perdue sur ce chapitre 31e. On a quelques traces. Et c'est vers Milan, à nouveau, que je vous propose de vous diriger. Hier, la méditation de Job nous exhortait à chercher une lumière dans la nuit des tourments, des souffrances entraînées par les événements sur lesquels nous ne pouvons rien. Maladie qui nous arrive sans cause, catastrophes naturelles, guerres et invasions, comme au temps de Grégoire le Grand. À ce mal dit physique s'oppose le mal dit moral, celui que cause la liberté humaine. En effet, il existe cette nuit, celle des tourments et des souffrances que nous nous causons à nous-mêmes en nous éloignant de Dieu par le péché. Il fait alors nuit dans notre cœur. Nuit et froid, Ambroise, à la fin du IVe siècle, en prédication, en parle de façon unique. Et puisque, frère Renaud, tu faisais référence à Pierre, je vous donne cet extrait extraordinaire. À partir de Jean 18:18, il faisait froid. Il faisait froid en ce lieu où Jésus n'était pas reconnu. Pierre essaye de se chauffer auprès du brasier. Où il n'y avait personne qui vit la lumière, où l'on reniait le feu qui consume. Il faisait donc froid pour l'âme, non pour le corps. Aussi bien, Pierre se tenait près des charbons parce qu'il avait le cœur transi. Dans cette nuit-là, est-ce qu'il y a aussi, comme hier, dans la nuit des événements, du mal physique, est-ce que dans cette nuit du mal moral, il y a aussi la promesse d'un chant, d'une lumière, une trace de l'espérance que nous suivons jour après jour? Et le texte de Jérémie nous répond, oui, c'est la pénitence toujours possible, interprète saint Ambroise. C'est ainsi que l'extrait de Jérémie au chapitre 31e, que frère Renaud, tu nous as lu, se retrouve dans un livre, dans l'un des deux livres consacrés par l'évêque de Milan à la pénitence. Mais il y a encore plus profond que cette pénitence humaine et Ambroise, on le découvre par la lecture de l'extrait que je vais vous proposer, Ambroise opère une véritable archéologie de cette vertu de pénitence. Saint Ambroise, la pénitence, livre second. Recouvrons donc nos chutes à l'aide de nos actes ultérieurs. Purifions-nous par nos larmes, afin que le Seigneur, notre Dieu, entende nos gémissements, tout comme il a entendu Éphraïm qui pleurait, ainsi qu'il est écrit. J'ai entendu. C'est Dieu qui parle. J'ai entendu Éphraïm qui se lamentait. Et les paroles mêmes d'Éphraïm, qui se lamente, sont rapportées. Tu m'as corrigé,
et j'ai subi la correction. Tel un veau, je n'ai pas été dressé. En effet, le veau gambade et quitte la crèche, et ainsi Éphraïm, tel un veau, n'a pas été dressé. Il se trouve loin de la crèche, car il a quitté la crèche de son maître, et à la suite de Jéroboam, il a adoré des veaux. Il avait été annoncé prophétiquement par l'intermédiaire d'Aaron que cela arriverait. Aussi, faisant pénitence, il déclare « Convertis-moi, et je me convertirai, car tu es mon Seigneur. Au terme de ma captivité, j'ai fait pénitence, et après que j'ai compris, j'ai gémi au souvenir des jours de confusion. Je me suis soumis à toi, parce que j'ai admis l'opprobre, et je t'ai fait connaître. » Nous voyons comment il faut faire pénitence, avec quelles paroles, avec quelles larmes, au point qu'il appelle les jours de péché « jours de confusion », car c'est la confusion quand le Christ est renié. Aussi, soumettons-nous à Dieu, et ne soyons point sujets du péché. Remémorons-nous nos fautes et rougissons-en comme d'un opprobre. Que notre conversion soit profonde, au point que nous, qui ne reconnaissions pas Dieu, nous le faisions désormais connaître aux autres, et que le Seigneur, touché par une conversion si profonde de notre part, réponde « Depuis ma jeunesse, tu es mon fils bien-aimé, Éphraïm, tel un enfant de prédilection. Parce que mes paroles sont en lui, je ne manquerai pas de me souvenir de lui. Ainsi me suis-je hâté pour lui. » Je déborderai de miséricorde envers lui, dit le Seigneur. » Alors le texte, vous l'avez entendu, de saint Ambroise, varie sur certains points du texte dans la traduction que tu nous as lu, Renaud. Mais surtout, je voudrais très rapidement souligner le lien que fait Ambroise, grâce au texte biblique qu'il a sous les yeux, entre deux répétitions. Je ne manquerai pas, dit le Seigneur, de me souvenir de lui. Je me souviendrai par souvenir. Le souvenir que Dieu a de l'homme est en fait le prologue ou ce qui permet ou qui accompagne la miséricorde de Dieu. Et on a la même deux expressions similaires entre Dieu qui se souvient par son souvenir et Dieu qui fait miséricorde par sa miséricorde. Là, la traduction est simplement « je déborderai de miséricorde », le terme latin, les termes latins, c'est « misericordia, miserebor, eius ». Si bien que on parle et on l'entretient jour après jour en l'homme, en nous, la mémoire de Dieu. Mais bien sûr, avant cette mémoire de Dieu, il y a la mémoire de l'homme en Dieu. Et cette mémoire qu'a Dieu de l'homme est ce sur quoi, et cette archéologie en fait de notre espérance possible au sein du mal moral. C'est-à-dire même dans le mal, en réalité, même dans les périodes de déréliction, nous savons qu'en réalité, il y a ce souvenir de Dieu qui va être la racine d'un retour de la miséricorde. D'un retour de la miséricorde. D'un renouvellement. Oui, hein. Oui. On peut avoir espérance parce que Dieu a souvenir de nous. A souvenir de nous. Et on invoque ce souvenir. On invoque ce souvenir comme le larron, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et c'est aussi ce souvenir, d'une certaine façon, que Jésus invoque, mais de manière contradictoire. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places, mais il vous répondra, dans la parabole, je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous reconnais pas. Je ne me souviens pas de vous. Je ne me souviens pas de vous, mais c'est ça. En Luc 13, 26-27. Donc il y a ce beau lien, je crois, entre le souvenir de l'homme en Dieu et sa miséricorde. Et c'est ça, je crois, qui peut être
l'équivalent de ce chant dans la nuit dont on parlait hier, dans le mal physique, le mal causé par les événements du monde ou les maladies. C'est intéressant que ici Ambroise rattache, en fait ce qu'il retient beaucoup de ce texte, c'est le lien entre l'espérance qui fait tenir pour la pénitence et de la même façon le souvenir pour Dieu qui fait tenir jusqu'à ce qu'il fasse miséricorde. Oui. Hein. Que ce soit l'espérance qui fait durer ou la mémoire qui fait durer, toujours en vue d'une résolution où l'homme et Dieu se retrouvent. Voilà. Il y a une mise en évidence vraiment d'un continuum intérieur dans l'intime de l'âme et dans l'intime des entrailles de Dieu, puisqu'il y a le terme d'entrailles qu'on peut aussi retrouver dans certaines versions bibliques de cet extrait. Et donc il y a ces deux durées en fait qui sont faites vraiment pour s'interpénétrer et pour que la durée de l'homme devienne la durée de Dieu en son éternité, puisque c'est quand même le but de la pénitence, c'est de nous rouvrir le ciel. Le ciel. On est avec ce texte d'Ambroise, il faut peut-être le dire, avant les querelles liées à la grâce et à Pélage. Oui. Le commentaire de Jérôme aura un commentaire, mais très philologique en fait sur cet extrait de Jérémie, et même dans ce commentaire philologique Jérôme insistera davantage sur voilà cette première place donnée à la grâce. Voilà, parce que on sent qu'il y a une autre, que les querelles sur la grâce sont apparues, sont en cours. Oui. Avec Ambroise on est dans les années 380 sur ce traité de la pénitence, qui est un traité assez tôt dans son épiscopat. Du coup, on n'est pas encore dans cette optique-là. Est-ce que, du reste, ce que le frère Eric soulignait à l'instant, qu'il y a cette continuité de l'espérance et de la mémoire, de l'espérance dans l'homme, en Dieu, de la mémoire des hommes, donc dans l'homme, l'espérance en Dieu, la mémoire de l'homme, cette continuité, est-ce que, à votre avis, tu en parlais tout à l'heure, frère Renaud, c'est ce qui fait que le tragique antique ne se retrouve pas, le sens du tragique antique ne se retrouve pas dans les textes bibliques. Le fait que cette continuité, finalement, interdit de voir ce qui arrive comme étant possiblement la fin de tout, ou un dénouement qui sera un dénouement nécessairement aveugle. C'est peut-être justement l'espérance qui distingue les situations dramatiques que l'on a dans la Bible de la tragédie antique. Alors que les situations elles-mêmes sont tout pour être dramatiques. Là, on est manifestement face à... Et le texte le plus terrible de l'Ancien Testament pour ce qui est qui dépeint les malheurs les plus extrêmes, c'est le livre des Lamentations de Jérémie, d'ailleurs. Enfin, et pourtant, ça n'est pas un texte tragique. On ne peut pas le considérer comme un texte tragique pour une raison très simple, c'est que le chant dans la nuit, pour le coup c'est exactement ça, s'adresse à Dieu dont on attend, en effet, secours, et en qui on espère, malgré tout. Et c'est là où les auteurs de la Bible sont tous des personnes qui sont mues par cette espérance-là. Et en effet, donc, il n'y a pas de place pour le tragique. Puisque, en fait, qu'est-ce qui rend le tragique cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie, hein, disait Racine. Bon. Eh bien, pourquoi cette tristesse majestueuse? Parce que, justement, nous avons des grands caractères, des personnages frappés et qui, sous la main du destin, eh bien, restent, en effet, justement... volontaires et continuent à s'affirmer eux-mêmes, mais sans appel à Dieu. Je poursuis peut-être je voudrais revenir sur un aspect qu'on a souligné précédemment, sur cette manière dont Jérémie exprime l'action de Dieu en lui, hein,
Tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. Donc chaque Dieu agit, mais l'homme agit aussi. Hein? Et Dieu agit d'abord, et c'est pourquoi l'homme agit. Voilà. Mmh. Convertis-moi et je me convertirai. Hein? Et je voudrais repartir pour cela d'une opposition que Thomas présente, saint Thomas d'Aquin présente, entre deux manières d'exprimer cette conversion. Il y a d'un côté la parole de Zacharie, Zacharie 1:3, « Revenez à moi, et moi je reviendrai vers vous. » Et on peut dire que ici on est tout simplement dans le cadre d'une alliance, une alliance rompue, et puis les deux parties qui s'étaient éloignées reviennent et se rapprochent. Mais on pourrait, et c'est la tentation qu'on voit apparaître après Ambroise dans, qu'on va appeler, l'hérésie pélagienne, on pourrait tout à fait lire ce Zacharie et se dire, mais donc, en fait, il suffit pour l'homme de se tourner vers Dieu, et Dieu, de son côté, se tournera vers nous. Nous sommes dans un couple qui se dispute, et il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Et finalement, bah, l'homme fait un premier pas et ça provoque la réconciliation avec Dieu. Et donc, Thomas évoque cette hypothèse, cette expression, de cette interprétation, en disant finalement, il suffit que de se tourner soi-même vers Dieu pour que Dieu nous accorde sa grâce. Et voici sa réponse. Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? La conversion de l'homme vers Dieu arrive bien sûr, dit Thomas, par le libre arbitre. C'est-à-dire, c'est bien nous qui nous tournons vers Dieu. Mm-hmm. Tout à fait, jusque-là, c'est juste. Donc, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et voilà. Et c'est de manière libre que l'homme est amené à se convertir vers Dieu. Toutefois, le libre arbitre ne peut être converti vers Dieu sans que Dieu lui-même soit celui qui nous convertit à lui. Et là, Thomas cite Jérémie, « Convertis-moi et je me convertirai, car tu es le Seigneur mon Dieu. » Il cite aussi les Lamentations, dernier chapitre, « Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. » C'est Dieu qui est le premier, ça n'est pas moi qui me tourne vers Dieu, c'est Dieu en réalité qui est le premier. Et je ne pourrais pas me tourner vers Dieu si Dieu n'avait pas déjà agi dans mon cœur pour faire que je me tourne vers lui. Bien. Je voudrais insister et peut-être prendre un ton malheureusement un peu plus professoral pour cette petite explication, mais je voudrais insister ici sur ce point parce que il est essentiel de la doctrine chrétienne et parce qu'il a quand même joué un rôle très important, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de le réentendre. Quel est le problème avec l'interprétation pélagienne ? Quel est le problème de cette manière aujourd'hui de considérer que l'homme fait un bout du chemin et que Dieu fait l'autre bout ? Hein ? Et que finalement, il est en notre pouvoir de nous retourner vers Dieu, c'est nous qui sommes libres, c'est nous qui sommes les maîtres chez nous, et qui nous retournons vers Dieu. Eh bien, cela est juste si on se place du point de vue des rapports au sein de l'Alliance. Et de ce point de vue, il y a effectivement, dans la relation du chrétien avec Dieu, quelque chose de cette égalité. Dieu se met de quelque manière dans cette égalité. Nous nous adressons à lui avec cette proximité qui naît de notre baptême. Cependant, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, le danger, c'est d'oublier que nous sommes aussi une créature de Dieu. Qu'est-ce que l'on oublie dans le pélagianisme ? On oublie que nous n'existons pas de nous-mêmes. Qu'en réalité, nous nous adressons à Dieu, non seulement comme celui qui nous donne sa grâce, mais d'abord comme notre créateur, celui qui nous fait, celui qui nous tient dans l'existence,
celui qui nous fait agir. Et Dieu fait l'homme, fait tout dans l'homme, y compris les mouvements de sa volonté. Et il faut bien saisir ce qu'implique la relation de création de l'homme à l'égard de Dieu. Si Dieu est celui qui nous fait, cela veut dire que tout ce qui est en nous vient de lui. C'est lui qui le fait en nous. Et cela est vrai, évidemment, de notre être, être de l'espèce humaine, être avec cette âme, être de telle manière. Mais cela est vrai de tout ce qui nous fait et de nous façonne au quotidien. Tout cela dépend de Dieu. Et dans l'homme, Dieu fait y compris cette inclination vers son bien, ce mouvement intérieur que l'on appelle la volonté. Dieu a fait l'homme pour qu'il possède en lui cette inclination au bien ou au contraire cette répugnance à l'égard du mal. Et donc, l'homme certes décide d'aller de lui-même vers tel bien ou de s'écarter de tel mal. Et de ce point de vue-là, il a un libre arbitre. Et il est clair que, face à ma liberté, à mon libre arbitre, si quelqu'un d'extérieur à moi, si un autre homme vient et veut me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire, il va me forcer. Mais cette contrainte qui vient de l'extérieur, elle n'a aucune place s'agissant de Dieu. Car en réalité, Dieu qui fait l'inclination au bien est celui qui, justement, va mouvoir notre volonté vers le bien. Chacun de nos mouvements dans lesquels je me dis « c'est cela qu'il faut que je fasse, il est temps peut-être que je me convertisse, il est peut-être temps que je fasse un acte d'espérance, il est peut-être temps, etc. » Tous ces actes dans lesquels je vois où est le bien à faire, eh bien, ils procèdent de Dieu en moi. Dieu ne meut donc pas l'homme de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je voudrais lire ici un petit texte complémentaire de Thomas. « Celui qui est mu par un autre, si ce mouvement contrarie son inclination propre, on dit qu'il est contraint. En revanche, celui qui est mu par un autre n'est pas contraint si cet autre est celui qui lui donne son inclination propre. Hein ? » Si, évidemment, j'ai mon inclination, mon voisin d'en face a son inclination, il veut m'imposer sa volonté, il contrarie mon inclination. Mais si mon inclination, elle est portée, et si celui qui me dirige, c'est celui-là même qui me donne mon inclination, à ce moment-là, cette inclination, elle ne me contrarie pas du tout. Elle est justement ce dans quoi j'ai mon inclination propre. Par exemple, la pierre qui est lâchée, qui tombe vers le sol, n'est pas contrainte, parce que, simplement, c'est quelque chose qui, pour elle, est un mouvement naturel. Ainsi donc, Dieu, en mouvant la volonté, ne la contraint pas, car c'est lui qui donne à la volonté son inclination propre. Et donc, si je reviens à Jérémie, nous indique Thomas ici sur le texte de Jérémie, de faire attention à la confession de foi qui accompagne la remarque de Jérémie sur son mouvement intérieur. Convertis-moi et je me convertirai, car toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Cette confession à Dieu, Seigneur, c'est bien la confession à celui qui meut de l'intérieur la volonté, et qui donc ne contraint pas, mais au contraire suscite la conversion, amène à la conversion. Et donc, ici, Thomas vient insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous retourner vers Dieu, nous ne pouvons pas nous convertir sans ce soutien gratuit de Dieu qui meut l'âme de l'intérieur, ou qui lui inspire un bon propos. Je finis par ce petit texte, encore de saint Thomas, « Que l'homme se convertisse vers Dieu,
cela ne peut se faire que par Dieu en train de le convertir. Hein? Convertis-moi et je serai converti, c'est je me convertis en tant que parce que tu es en train de me convertir. Et donc, de quelque manière, Thomas nous invite justement à être attentifs à ces mouvements de l'âme par lesquels nous nous tournons vers le bien, par lesquels nous nous ouvrons au bien, ou par lesquels, au contraire, nous nous éloignons du péché ou du mal. Hein? Dans ces actes-là, oui, c'est nous-mêmes qui sommes investis, mais nous ne les aurions pas si Dieu ne les faisait exister en nous. Ainsi, celui dont l'œil s'est détourné de la lumière du soleil, se prépare-t-il à recevoir à nouveau la lumière du soleil en tournant ses yeux vers le soleil? Il faut qu'il y ait ce mouvement, et ce mouvement, il nous vient de Dieu. Et cela nous montre en fait, il me semble, la finale, ainsi permet de mettre en valeur la finale de ce texte, où Jérémie parle au nom de Dieu et qui évoque sa miséricorde et le souvenir de l'homme. Hein. Si Dieu produit ce mouvement en moi, s'il est en train de me convertir quand je me convertis, eh bien, c'est donc qu'il a eu souvenir de moi, comme le soulignait Ambroise, c'est donc qu'il me fait miséricorde. Hein. Et c'est véritablement la même espérance qui tenait Rachel debout et qui est en train de changer l'homme pour le remettre dans la voie du bien, dans la voie du bien qu'il espère. Et toujours, à l'origine de cela, cette miséricorde de Dieu. Ça veut dire donc aussi que l'objet de l'espérance, il est donné par cette motion intérieure. Oui, ou en tout cas par le bien que nous voyons grâce à cette motion. Voilà, d'accord, oui. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Mm.